Salut à tous, c'est Dimitri de NavKeeping. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo mon niveau au 2x2. Donc en fait, voilà, tout à l'heure j'ai regardé, j'avais 199 abonnés. Et je sais pas en fait si cette vidéo sortira avant ou après celle de remerciement des 200 abonnés. Mais je vais pas faire quelque chose de spécial, hein, juste vous faire, je sais pas, voilà, je sais pas encore trop. Mais je vais pas faire un gros truc comme la FAQ pour les 100 abonnés, hein, ce sera un peu mon gros. Mais il y aura quand même un petit remerciement. Et donc voilà, donc c'est mon niveau 2x2, donc comme j'ai dit, je sais pas si elle sortira avant ou après la vidéo du remerciement des 100 abonnés. Mais voilà, donc là je commence avec le premier mélange, donc je le mélange encore un petit peu mieux. Et après on se retrouve pour la salve. A tout de suite. Voilà, ça y est, donc là j'ai fini le mélange et donc je vais direct passer à la salve. Ok, c'est bon. Donc 4 secondes 25. Voilà. Donc bah ça va. En fait, bon, je fais la méthode Ortega, hein, avec tout. Je connais pas les CLL. Et donc voilà. Donc là, on va passer à la deuxième solve. Et j'espère faire tout le temps des solves en dessous de 5 secondes, même si je me loupe. Presque dans chaque average. Donc on continue avec la deuxième solve. Et donc me revoilà. Donc pour cette troisième solve. Alors je regarde ce que j'aurais. Ok. J'y vais. Quatre secondes 0,0. Voilà. Bon voilà, en fait j'ai juste fait un AVG5 et après je vais à chaque fois je vais noter les scores en fait en bas de l'écran ici. Voilà, et donc bah on continue avec la troisième salle. Je vous retrouve juste après avoir fini de mélanger ce petit cube. Donc voilà, ça y est, donc là c'est la troisième salve, hein. Avant je m'étais trompée, j'avais dit troisième alors que c'était la deuxième. Donc voilà, alors là j'inspecte un petit peu. Ok, c'est bon. Quatre secondes 73. Voilà, donc pour l'instant j'ai pas fait de solve au-dessus de 5 secondes, donc je suis plutôt content, mais ça va peut-être venir. Donc là j'ai fait que des 4 quelque chose. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la quatrième solve. Voilà, donc là je vais enchaîner avec la quatrième résolution. Alors j'inspecte un peu. Celui-là il est pas joli comme mélange. Ok, bon, je vais tenter la... attends. C'est pas grave, je vais quand même tenter la face verte. Ok. Ah! Bon, bah, en fait, c'est un DNF. Hein. Normalement, voilà, c'est DNF. Mais vu qu'on n'est pas en compétition, bah, je vais quand même compter le temps. Ou alors, vous mettrez peut-être un plus 2, je sais pas. Bon, ouais, c'est 4,18. Non, mais en fait, je vais quand même essayer, hein, parce que de toute façon, on n'est pas en compétition, et puis, bah, je peux quand même la compter. Et donc, on se retrouve tout de suite pour la quatrième résolution. Non, on se retrouve pas pour la quatrième résolution, on se retrouve pour la cinquième résolution. Donc, voilà, je mélange encore un petit peu. Voilà. Ouais. Le mélange est aussi pourri que la dernière fois. Bon bah j'y vais, je vais quand même faire la face verte. Et 4,97, donc il n'y aura que des 4 secondes dans cet AVG. Donc j'aurai un AVG de 4 secondes et quelques. Voilà, donc ça c'est sûr, hein, vu que j'ai pas fait de sol en dessous de 4 ni au-dessus de... 5. Donc voilà, je mettrai la moyenne en bas de l'écran à droite. Et puis donc cette vidéo est finie. Et on se retrouve bientôt, bah, pour
deux prochaines vidéos. Voilà, donc ma moyenne, elle est affichée en bas de l'écran. Et oui, donc voilà, donc si vous voulez faire une battle Skype avec moi, si vous avez à peu près le même niveau que moi au 2x2, normalement je le fais avec Galsmoke, parce qu'avec Galsmoke c'est son pseudo YouTube, sinon il s'appelle Léo. Normalement je le fais avec Léo, et mais voilà, mais si jamais il se rend compte que je suis trop fort, ou alors c'est lui qui est trop fort par rapport à moi, et ben c'est pas grave, hein, je peux toujours changer de personne. Donc voilà, salut!